On a dit de lui qu'il avait un caractère impossible. Le prince William a fait le petit fou pendant son baptême en 1982, comme le rappelle Franck Ferrand, historien et présentateur sur la radio Europe 1. Dans le salon de musique de Buckingham Palace, bébé William était très agité, il se débattait, criait et pleurait. Un comportement excusable mais qui a fait la une des tabloïds anglais, à l'époque. Aujourd'hui, le fils de William et Kate Middleton, George, est baptisé en la chapelle Saint-James, à 16h, heure française. Espérons qu'il n'ait pas hérité du caractère de feu de son papa, car si est-il un jour très important pour William. En effet, il a décidé, lui-même, du lieu de la cérémonie religieuse. Si est-il en la chapelle Saint-James que la dépouille de Lady Diana y a été exposée juste après son décès. Le prince Harry ne figure pas parmi les parrains. Ce moment va donc être un instant de recueillement pour le papa du Royal Baby. George sera très bien entouré car ses parents lui ont choisi sept parrains et marraines. Il ne manquera pas d'amour. Sont attendus à ses côtés, Emilia Jardine Patterson, une amie d'enfance de la duchesse de Cambridge, Oliver Baker, un copain d'université du couple, William Van Cutsem, ami du prince William, Jamie Lowther Pinkerton, conseiller du couple, Julia Samuel, amie et confidente de Diana, Hugh Rovenay, fils du duc de Westminster et Zara Phillips. Quid du prince Harry? À propos de l'auteur Magali Vogel, après deux années à l'EFAP, école française des attachés de presse, et une année à l'EFI, école française de journalisme, j'ai débuté ma carrière à France Soir. J'y ai été consécutivement journaliste télé, culture et musique. En 2011, j'ai fait une escale chez Public pour une année avant de changer de cap et m'orienter vers l'économie. Ces derniers articles, le comeback de Bertrand Cantat soutenu par Aurélie Philippetti et Lise Moon ne connaît pas le dieudonné raciste et antisémite Bridget Jones veuve et cougar, vive la cinquantaine.